Donc, bonjour à tous. Au cours de cette présentation, nous allons nous attacher à illustrer les conditions de fixation et de dégradation de deux types de molécules qui sont très utilisées en agriculture, qui sont le cuivre et les produits phytosanitaires, et ce, dans le compartiment sol. J'entends par nous Anaïs Bureau, Victoria Lulti et moi-même, Laurine Favre, qui sommes étudiantes de troisième année, donc du cursus ingénieur agronome à Montpellier Supagro, option GEM pour gestion de l'eau, des milieux cultivés et de l'environnement. Alors, cette intervention va se dérouler en quatre parties. Une introduction pour recontextualiser un petit peu le sujet, les conditions de fixation du cuivre et des produits phytosanitaires en général dans le sol, ainsi que les processus de dégradation qui les accompagnent, et enfin les conclusions qui peuvent être tirées de l'état actuel des connaissances. Alors pour commencer, une définition succincte de ce qu'est un pesticide ou un produit phytosanitaire. Donc un pesticide, c'est une molécule organique qui est apportée à plus ou moins faible dose pour une culture, et pour pouvoir lutter contre différents types de nuisibles, parmi lesquels les mauvaises herbes, les insectes et les maladies. Alors, il existe une classification des produits en fonction de la cible visée, que vous connaissez bien. Les herbicides, dont le plus connu est le glyphosate. Les fongicides, qui permettent de lutter efficacement contre les champignons. Et enfin, les insecticides, comme l'acéphate, par exemple. D'autres formulations plus spécifiques existent sur le marché, comme les nématicides, qui permettent de lutter contre les nématodes. Alors, il est intéressant de mettre en perspective les normes qui existent à l'échelle nationale et européenne concernant les concentrations maximales de pesticides dans le milieu naturel. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la réglementation eau potable qui impose des limites strictes en termes de présence de produits phytosanitaires en solo ou en cocktail dans l'eau de boisson à destination de consommation humaine. Eh bien, il n'existe aucun équivalent quand il s'agit de pollution des sols. Quelques éléments de contexte plus généraux maintenant. Le recours aux pesticides a fortement augmenté à partir des années 1940 et cette augmentation peut directement être liée à l'accroissement de la demande alimentaire mondiale. Donc la production de céréales a par exemple doublé entre 1960 et 2000, là où l'épandage de pesticides a été multiplié par 12. Autre point de contexte important, le devenir des produits phytosanitaires une fois pulvérisés sur une parcelle. Donc après une pluie, les molécules peuvent se retrouver soit dans les cours d'eau, donc suite à un ruissellement par exemple, soit dans l'air, donc volatilisation notamment, ou alors dans le compartiment qui nous intéresse dans cette présentation, qui est donc le sol. Les produits peuvent alors être évacués vers la nappe souterraine, donc c'est ce qu'on appelle la lixiviation, ou alors fixés et éventuellement dégradés. Si l'on s'intéresse maintenant au cas du cuivre, qui est un métal bien connu dans l'agriculture, il est présent dans l'ensemble des compartiments terrestres, à savoir dans l'air, à l'échelle de 5 à 50 nanogrammes par mètre cube, dans le sol, à l'échelle de 2 à 250 mg par kg, et dans les eaux, avec une variation entre les eaux de mer et les eaux douces, avec dans les eaux douces une concentration pouvant aller de 5 à 30 microgrammes par litre. En plus d'être présent naturellement dans les sols, le cuivre est apporté sur les cultures pour ses propriétés bactéricides et fongicides. Sa teneur est largement surveillée, car il est nécessaire en un sens à la croissance des plantes, mais peut être toxique à forte dose. Pour vous donner un ordre de grandeur, des sols ayant des teneurs en cuivre inférieures à 2 mg par kg, pour lesquels des apports pourront être réfléchis, à l'inverse des sols dont la teneur en cuivre serait supérieure à 120 mg par kg, peuvent devenir toxiques pour les cultures. En résumé, le cycle du cuivre peut être résumé simplement. Donc il est naturellement présent dans les sols. Il est ensuite apporté par les agriculteurs au sol pour ses propriétés bactéricides et fongicides, et il est ensuite extrait par les plantes pour leur fonctionnement. Ça entraîne ainsi une variation du stock de cuivre dans les sols. Nous allons à présent aborder la deuxième partie de cette présentation, qui est la fixation du cuivre et des produits phytosanitaires dans le sol. Les pesticides arrivent au sol sous trois phases, une phase solide, une phase liquide et une phase gazeuse, dont les proportions vont varier selon les conditions pédoclimatiques du milieu. La fixation des pesticides, que l'on peut aussi appeler immobilisation, regroupe donc deux phénomènes, la précipitation et la rétention. Seule la rétention est développée ici, puisqu'elle repose sur une interaction avec le sol. La rétention regroupe différents processus physico-chimiques et biologiques. Le principal phénomène jouant un rôle dans la rétention est l'adsorption. Elle est caractérisée par un coefficient de distribution, aussi appelé KD, qui permet de déterminer la partition solide-liquide d'une molécule, c'est-à-dire sa répartition entre la phase dissoute et la phase particulière du milieu. Comme on peut le voir sur ce schéma, le coefficient de distribution KD varie beaucoup selon la famille de pesticides considérés. Outre le type de pesticide, il existe quatre principaux facteurs de régulation de KD, donc de régulation de la fixation d'un polluant dans le sol. Le premier facteur de régulation est le pourcentage de matière organique du sol. Ce facteur n'a d'importance que pour les pesticides non ionisés. Comme on peut le voir sur le graphique, KD augmente avec le pourcentage de matière organique. Le deuxième facteur de régulation est le pH du sol.
Il influe sur les pesticides ionisés, dont la charge est variable selon le pH et donc dont le comportement est variable selon le pH. Le temps depuis l'application est également un facteur important. On parle de phénomène de vieillissement des molécules in situ, aussi appelé aging en anglais. On observe que la rétention augmente avec le temps depuis l'application. Enfin, le quatrième facteur de régulation est la teneur en eau du sol. On parle ici à la fois de teneur en eau initiale, mais aussi d'une alternance des cycles d'humectation et de séchage du sol. Et on observe sur le graphique du bas que plus un sol est sec, plus la rétention du polluant augmente. Le cuivre aussi peut être fixé dans le sol. Les mécanismes, bien que similaires, sont présentés ici après précisément pour le cas du cuivre. Le cuivre se différencie en différentes espèces dans le sol, et notamment en sel. Il s'associe avec les éléments minéraux en présence pour donner, entre autres, les sels suivants, à savoir le sulfate de cuivre, l'oxyde de cuivre, l'hydroxyde de cuivre ou le carbonate de cuivre. Et ces différents sels peuvent être titratés pour former alors des complexes. Le problème avec ces sels est la toxicité. Le cuivre peut ensuite être retenu par la matière organique du sol et ainsi former des complexes dont l'atome de cuivre est l'atome central. Ce complexe est fort. Il est également, ce processus est influencé par le pH et on note une accentuation de ces complexes pour un pH supérieur à 7. Alors, nous allons maintenant nous intéresser au processus de dégradation des produits phytosanitaires dans le sol. Alors, il existe deux types de dégradation des molécules dans le sol. Donc, le premier, c'est la dégradation biologique, c'est-à-dire opérée par des micro-organismes. Et cette dégradation joue un rôle majoritaire dans l'élimination des pesticides. Et donc à celle-ci vient s'ajouter la dégradation abiotique, qui fait appel à des processus chimiques comme l'hydrolyse ou photolytique liés à la lumière. Dans les deux cas, ce process se décompose en deux étapes, la production de métabolites ou molécules phi, qui induit un changement de structure chimique de la molécule mère, ainsi qu'une modification de son comportement et de ses propriétés toxiques. Le carbone que contiennent ces métabolites est ensuite transformé petit à petit en dioxyde de carbone, c'est ce qu'on appelle la minéralisation. Seule une combinaison de ces deux étapes permet une dégradation totale du polluant, comme on voit sur cette diapositive. On l'a vu, plusieurs types de dégradation des pesticides se fait dans le compartiment sol. Donc il a fallu trouver un indicateur commun pour pouvoir caractériser ces processus. Et donc cet indicateur, c'est la persistance. On va voir un petit peu plus en détail ce qu'implique cette notion de persistance. Donc sur ce graphique, vous voyez, est représentée la concentration de produits phyto dans le sol en fonction du temps. Donc comme attendu, cette concentration diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la date d'application. Tout ce qui se trouve au-dessus de cette courbe se dissipe. Le premier indicateur de persistance est celui qui est sans doute le plus utilisé, c'est la demi-vie ou DT50. Alors cette durée correspond au temps que met la moitié de la dose appliquée à se dégrader dans le sol. Une deuxième persistance est la persistance agronomique, qui se définit comme le laps de temps nécessaire pour que la concentration de produits n'affecte plus les plantes qui couvrent le sol. Et enfin, la persistance chimique est liée au moment à partir duquel il n'est plus possible de détecter la concentration de polluants résiduels avec les moyens de mesure actuels. On vient de voir qu'il existe une multitude de définitions pour la persistance d'une molécule phytosanitaire dans le sol, selon la nature du dégradant à l'origine du processus. Et si l'on s'intéresse uniquement à la DT50, on voit qu'il y a également une grande variation entre les produits eux-mêmes, que ce soit herbicides, fongicides, mais aussi pour une même substance. Par exemple, pour le cimoxanil, on voit le premier rond bleu à gauche, la demi-vie peut varier d'une dizaine de jours à 50 selon les conditions édaphiques. Et pour un autre fongicide, qui est le propamocarb, le rond bleu qui est à droite, cette DT50 s'étend de 250 jours à 350. Donc ce graphique montre qu'il existe des influences très importantes du milieu extérieur sur l'efficacité de la dégradation des produits phytosanitaires. Nous allons à présent parler des principaux facteurs de régulation de la dégradation des polluants dans le sol. Donc traditionnellement, il y en a trois. Tout d'abord, le premier facteur est la régulation de la dégradation est l'humidité du sol. Donc sur le graphique vert, on observe que plus un sol est humide, plus la DT50 diminue. On va donc passer pour un sol sec de 42 jours à 9 jours pour un sol humide. Donc un sol plus humide favorise une dégradation plus rapide. Le deuxième facteur de régulation est la température, et sur le graphique en jaune, on peut voir que la DT50 est plus faible pour un sol chaud. Un sol chaud favorise donc également une dégradation plus rapide d'un polluant. Le troisième facteur est l'historique des traitements. Donc ce qu'on entend par là, c'est les traitements antérieurs qui ont été appliqués à la parcelle, c'est-à-dire donc des produits qui vont dépendre des cultures en place précédemment. Donc sur le graphique, on peut voir que l'historique de traitement influence beaucoup la minéralisation d'un pesticide, donc ici l'atrazine, avec par exemple une minéralisation 10 fois plus importante à 60 jours en monoculture de maïs qu'en monoculture de blé ou en prairie permanente. On vient de détailler le processus de dégradation pour les produits phytosanitaires, mais qu'en est-il du cuivre ?
Alors, est-il possible de dégrader du cuivre? Le cuivre est par définition un atome, donc il est impossible de le dégrader. En revanche, il pourra s'associer avec des molécules du sol pour former des complexes comme présenté plus tôt. Pour conclure sur la dégradation et la rétention des phytosanitaires et du cuivre dans les sols, on peut identifier deux processus qui modifient les pesticides dans les sols, les processus abiotiques et les processus biologiques. Dans les deux cas, deux types de phénomènes se superposent, les phénomènes de rétention et de dégradation. On recense les phénomènes d'adsorption et d'absorption pour les phénomènes de rétention et pour la dégradation, la photolyse, la catalyse et les métabolismes. On pourra ensuite s'intéresser au phénomène de transport qui entraîne le départ des composants phytosanitaires et du cuivre d'un compartiment du sol à un autre ou un autre compartiment de l'environnement. Les pesticides sont alors retenus dans le sol selon des constantes propres à chacune des molécules appelées coefficients d'absorption. Un pesticide est également qualifié par sa demi-vie qui traduit la persistance dans le sol de la molécule mère. Ces molécules, si elles ne sont pas dégradées, peuvent être transférées dans les eaux de surface par différents modes de transfert, la lixiviation, le ruissellement ou le drainage selon les pourcentages présentés. Si ces molécules sont transférées, on transfère ainsi le problème de contamination à un autre compartiment, entraînant potentiellement des phénomènes de dilution, mais n'entraînant pas l'élimination à proprement parler de ces molécules. Quelques avertissements sur cette présentation. Il est bon de rappeler que seuls les facteurs de régulation traditionnellement admis ont été cités. La détermination des coefficients d'absorption en laboratoire peut être source de quelques imprécisions sur les valeurs citées. Et enfin, d'autres facteurs de régulation peuvent être envisagés, comme le génotype des micro-organismes dans le sol. Voici enfin l'ensemble des sources utilisées.